Hello tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Jak and Daxter de Precursor Legacy. Que je vais juste dire Jak and Daxter. Ça va être une série intégralement en facecam, donc vous allez me voir. Salut, voilà, sup, what's up? Bon bref, ça va être une série intégralement en facecam, en espérant qu'elle plante pas, j'espère. C'est un jeu qui est sorti en 2001 sur PS2, édité par Sony et développé par Naughty Dog. Donc c'est ça, donc pour ceux qui connaissent pas Naughty Dog, c'est seulement ceux qui ont fait Uncharted et The Last of Us. Voilà, ils sont pas très connus, voilà, on peut dire ça. Et voilà, on va commencer tout de suite, en espérant que mon record plante pas. Il a planté avant de tourner cet épisode pour me dire « Ah, la qualité a changé. » Donc, ils l'ont fait planter, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est mon logiciel de capture pour ma PS3. Ben, pas mon logiciel. Mon boîtier d'acquisition pour ma PS3 qui est comme ça. Ce n'est pas trop grave. J'espère que vous entendez. Mon micro est juste là, mais c'est un micro assez sensible. Donc, vous êtes censé d'entendre. Voilà, on met ça. Caméra. Ça, je ne sais jamais, donc on va attendre dans le jeu. La musique va baisser un petit peu, voire ouais, la moitié, go. Ouais, un petit peu équilibrer ça. Les dialogues, on les laisse à 100%. Voilà. Et vous allez voir, je n'ai aucune sauvegarde, mais j'ai quand même eu des trophées. Fait. Donc, c'est ça. J'ai eu des trophées tout simplement parce que j'ai déjà joué, mais pas tous les trophées. Je vais essayer de faire le jeu à 100%. Il n'est pas difficile à 100%, honnêtement. Avec tous les trophées, c'est facile 100% sur ce jeu, en tout cas. Donc, c'est parti. Vous allez voir, ce jeu est bourré. Bourré, mais bourré d'humour. Ça va être drôle. Voilà, on va créer une sauvegarde de Jak and Daxter. J'espère que ma cam va fonctionner. Parce que les fois que j'essayais de faire une cam, ça n'arrêtait pas de... On va choisir un fichier pour sauvegarder. Ça n'arrêtait pas de planter. Donc j'espère que ça va fonctionner cette fois. J'ai changé les drivers. J'espère que ça va faire une petite différence. Voilà, on va commencer. Je vais regarder. J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui jonchent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé hey, Jak, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici. Continue de chercher les objets et l'écho. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jak? Cet endroit me fait flipper.
saleté de trucs précurseurs. Qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Wow! Comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis! Qu'on n'aurait pas dû venir, si tu m'avais écouté. Quoi? C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va. Sacre vert, que voulez-vous tous les deux? Laissez-moi deviner, plutôt que de suivre mes conseils, vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller, l'île de la brume. C'est ça. Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'écho noir. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter, où est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter, parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus... Même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le Sage. Mais il vit dans le Nord, loin, loin, tout au Nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique. Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent une ou deux piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier, au moins. Brave aventurier? Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Oh mon dieu, les amis. Nos premiers pas dans Jack and Daxter. Ça m'avait manqué cet humour, honnêtement. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué au jeu, tout simplement. Et cet humour m'avait tout simplement manqué. Une minute, je veux juste voir si la caméra est bien placée. Ouais, on peut dire, ouais. On va dire, non, on va pas dire. On va pas dire, on va pas dire. Vertical... Horizon. Inversé. Ouais, parfait. Là, on peut voir qu'est-ce qu'on ramasse dans le rocher du geyser. Ouais, parfait. Là, c'est parfait. Elle nous parle en même temps, là, pour nous donner des petits trucs. On a les mêmes moves, on dirait, que dans Crash Bandicoot. Bref, c'est un excellent jeu avec beaucoup d'humour. Ces sortes de flottants sont des orbes précurseurs. Ramassez-en assez et certains villageois vous donneront une pile d'énergie. Il nous parle un petit peu de... Des orbes précurseurs qui ressemblent à des petits jeux en chocolat, voilà. Qui vont être importants pour le 100%. Le jeu, honnêtement, il est très,
très, mais très facile à faire à 100% avec tous les trophées. Il est extrêmement simple. Donc, c'est ça. Que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigrave. Ok. Bon, bref, oui, je parle en même temps qu'eux parce qu'ils disent souvent des trucs pas très intéressants. Comme, oh, les orbes précurseurs, ça sert à ça. Voilà. Ok, je m'en fous. Ah, c'est un jeu de plateforme en passant. Donc, pour ceux qui font la facecam, en fait, c'est parce que un jeu de plateforme égale. Égale quoi déjà? Égale rase, sérénité, plénitude. Oui, c'est ça que je voulais dire avant la cinématique d'intro. Si je regarde par là, c'est parfaitement normal. Ma télé se trouve là. Mon moniteur se trouve là. Donc, puis ma webcam se trouve juste là. Donc, je vais risquer de regarder beaucoup là. Essayer de regarder le plus possible mon moniteur, mon écran d'ordi pour en même temps regarder ma webcam. Pour avoir l'air de vous parler. Pour pas avoir trop l'air d'être... d'être le mec qui vous regarde pas. Voilà. Asak Mekamous, je crois qu'elle a dit, on ramasse... Ça s'appelle les Mekamous. Elle dit là. On ramasse une pile d'énergie. Et voilà. Les piles d'énergie, ça va nous servir à débloquer des niveaux. Pourquoi je vous tue? Ok, si vous voulez parler. Je pensais que ma manette avait plus de batterie. Voilà, en passant, je suis dans la zone tutoriel. Et je crois qu'à l'époque, en fait, c'est une grosse révolution ce jeu. Parce qu'il avait. Je vais aller par là. Il y a des orbes ici. Des petits œufs en chocolat. Voilà. C'est ça. Le jeu a été une grande révolution parce qu'il n'avait pas vraiment de temps de chargement. Puis ça a été une révolution. Je me gratte le nez, désolé. Ça me gratte un petit peu. Non, c'est ça, c'est une grande révolution à l'époque de pas avoir de temps de chargement vraiment entre les niveaux. Vous allez voir parce que là, le monde tutoriel, vraiment, ça ne prouve pas vraiment qu'est-ce que je dis. Donc peut-être que je dis des conneries. Mais vraiment. C'est une porte précurseur. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant. Les dialogues. Bon, voilà. On peut aussi accélérer en faisant ça. C'est ça. Il n'y a pas énormément de temps de chargement. C'est un orifice d'écho bleu. J'adore. Plus concentré que les groupes flottants. Cet endroit vous donne. Honnêtement, j'aime pas ça me faire couper quand je m'en vais sortir de quoi. Donc, c'est... ça me saoule, là. Ça commence à me saouler. Non, c'est un excellent jeu, là. Mais. C'est vraiment. Ben, au début, ils vont commencer. Ils vont beaucoup intervenir. Puis, je sais pas qu'est-ce que j'ai, ça me gratte. Puis après, ça va diminuer. Voilà. J'ai remarqué ça depuis quelques années. C'est une petite discussion que je vais lancer. Au début de YouTube, on voyait pas beaucoup de YouTubeurs, de vidéos sur YouTube en tout cas, faire des vidéos en facecam. Maintenant, ça se démocratise énormément. Je sais pas comment vous pensez ça. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est débile? Est-ce que vous vous en foutez? Dites-le moi dans les commentaires, ça serait intéressant parce que je remarque ça depuis des années. Depuis quelques années, quelques temps déjà. Que beaucoup de vidéos sur YouTube, donc YouTubeur. Ouais, là il nous dit que c'est fait pour regagner un petit peu notre vie, mais on en a pas de besoin. Beaucoup de vidéos, YouTubeurs. Font beaucoup de facecam, c'est pas plus mal, c'est pas grave, là. On va pas crever à cause de ça. Mais je trouve ça vraiment, c'est pas, ça, YouTube a vraiment évolué depuis quelques temps. On peut dire ça. Et voilà, on a terminé de quoi le recette du César. Ah, ça a été vite, honnêtement, mine de rien. Là. On prend ça et on descend et on check ça et voilà. On a toutes les piles d'énergie. On peut checker les orbes précurseurs. On les a tous. Et les Mekamous, on les a tous. Tous du niveau en tout cas. Voilà, là on descend. Et on va... Non, on s'est pas écrasé, c'est cool. On ouvre le portail et on retourne dans la hutte du sage vert. C'est parti.
bon entraînement, mes garçons. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack? On aimerait bien rester papoter grand vert, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien, bien. Partez à l'aventure, alors. Et au cours de votre aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? Mes fichus collecteurs découverts sont encore bouchés. Allez tout au bout de la plage, essayez de les débloquer. Suivez bien les lampes pour vous y rendre. Et maintenant, vous tous... Débarrassez-moi de plancher! Voilà, le jeu, on peut voir qu'il y a quand même énormément, mais énormément d'humour. Et une petite référence à Crash Bandicoot. Bandicoot, parce que c'est quand même Naughty Dog qui les ont développés, donc c'est un petit peu logique. Voilà. On va commencer un petit peu le village dans cet épisode, puis on continuera dans le prochain. Juste commencer un petit peu le village des sables, commencer les mécamousses, ouais, à peu près, c'est à peu près ça. Puis certains arbres, je crois qu'il y en a, voilà, sont là. Et ramasser quelques mécamousses. Donc on va un petit peu commencer le village de pierre, puis on se laissera là, voilà, ça sera un beau gros épisode, ça va être parfait. Voilà, une petite mécamousse là-bas. Mécamouche. Voilà, on la ramasse. Ça va être parfait. Les mécamouches sont toujours dans les boîtes rouges. Pour ce début de série. Voilà, oui. On peut dire ça. En fait, on peut dire ça. Oui, on peut dire. C'est surtout un début de série. On va essayer de monter là-haut. Voilà. Honnêtement, c'est très facile à jouer. Honnêtement, les commandes sont extrêmement faciles. Je me rappelle un petit peu du début du jeu, tout simplement que voilà, on se rappelle tout le temps du début du jeu, mais vers la fin, on s'en rappelle pas trop. C'est tout le temps comme ça. Là, on va aller parler à lui. Là, on est encore dans le village, en pensant. Il faut traverser Yako, il faut traverser Yako. Oh, c'est toi. Oh, j'ai reposé juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Bon, c'est ça. Les épisodes vont être courts, ils vont durer à peu près 20 minutes. Je trouve que c'est un bon format, surtout que le jeu est extrêmement court. Qui va me prendre peut-être 12 voire 13 épisodes. C'est extrêmement court. On va aller par là-bas. Juste ramasser les dernières orbes. Voilà. Le canon de feu, on peut pas y aller pour l'instant. Elle a un petit peu expliqué les raisons. Mais c'est que on n'a pas aller avant, soit tant par là-bas. Là, il faut qu'on rentre tous les yakos. Voilà. Dans leur case pour avoir une nouvelle pile d'énergie. C'est pas extrêmement long de mémoire. Voilà, t'es dans ta case. Voilà. Une chance qu'ils font pas comme dans Minecraft, que un jeu comme ça où qu'ils ressortent, ça serait un petit peu chiant à les chercher tout le temps. Parce que Minecraft, ça, ils sortent de quoi, de mémoire. Ça fait longtemps que je me suis pas logué sur Minecraft, tout simplement, qu'ils m'ont... Je sais pas, mon compte fonctionne plus. Sûrement que j'ai pas migré, mais là, il fonctionne plus. Bref, c'est super complexe. Voilà, il n'en reste, je crois, deux. Je vais pas trop en aborder dans cet épisode. Voilà. Pas par là. Allez. Allez, rentre dans ta case. Attends. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, non. Yako, l'autre bord. Oui, parfait. Non, du bord là. Rentre, rentre. C'est une de mes... Parce que c'est une trilogie à la base. C'est une de mes trilogies... C'est un de mes épisodes préférés. Puis il y a aussi le 3 qui est un de mes préférés. Mon aim grade tout le temps, c'est fou. Bon bref, c'est un de mes épisodes préférés avec le 3 que j'aime beaucoup, mine de rien. Même si le 2 et le 3 sont énormément du 1. Vous allez voir ça quand que je vais vous les faire parce que Zigoud vous fasse ça. S'il veut bien rentrer, voilà. On a toutes les yakos.
C'est parfait. Ce feignant de fermier, on s'en va le parler pour avoir une pile d'énergie. Ah, bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puces. Je vais te dormir tranquille. Bon, il nous parle de sa vie, on s'en fout en fait. Voilà, c'est la vie. Bon, ok, donne-nous notre pile d'énergie. Honnêtement, le jeu est extrêmement beau pour du début de la PS2, je vais être franc. Comme FF10, c'était moins beau, puis c'était du début de la PS2. Et maintenant, mais celle-là, je le trouve beau, même si c'est du début de la PS2. Honnêtement, là, on s'en va dans une nouvelle zone, mais... Une nouvelle zone, tout simplement. Mais pas pour vraiment... En fait, non. Les arbres qu'on a ramassés, c'était pas pour... Cette zone-là, c'était plus pour le village des pierres, je m'en rappelle. Voilà, on les ramasse. On saute là pour aller chercher la mécamousse. Voilà. On en a 4, c'est parfait. On s'en va lui parler. Qui réveille l'oracle? Attendez. L'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité. J'attends le retour du véritable héros. Désolé. Présentez-moi. Je parle pendant, je suis très méchant. Pour chaque pile d'énergie que je contiens. Bon, il veut 120 orbes précurseurs, le gros smiley. Qui parle très bizarrement. Voilà, on monte là-haut. Parfait. On va bientôt conclure l'épisode. Laissez-moi juste ramasser ces petits trucs-là. Voilà, on ralentit comme ça pour pas s'écraser au sol. La petite technique de malade. Allez, on monte comme ça. Ça fonctionne pas. Bah oui, c'est censé. Ouais, parfait. Voilà. Et ce truc-là nous permet d'avoir des... Ah, ça me gratte. C'est n'importe quoi. On me gratte la nuit tout le temps. Voilà, ça nous permet de... De récupérer des orbes, c'est parfait. Et je vais vous montrer aussi, je crois que c'est par là-bas. Ben en fait, c'est beaucoup de maisons, mais je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je crois que c'est le maire, et oui. Qui a une mécamousse. J'ai trouvé la mécamousse. Voilà une mécamousse, plus important que tout. Voilà, on en a 6, c'est cool. Voilà, on va lui parler au maire. Non, je ne veux plus entendre parler de problèmes. Déjà qu'il paraît qu'il y a des monstres près du village, puis vous... Vous voyez ces engrenages là-haut? Ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Parce que notre village n'a pas d'énergie. Le faisceau écho du temple de la jungle ne fonctionne plus. Et mes amis, tout le monde a bien trop peur pour aller voir ce qui s'est passé. La facture a été payée? Comment? Quel comique! Mais bon, si vous réparez le faisceau, je vous donne une pile d'énergie. Et autre chose, si jamais vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne, je pourrais bien me séparer d'une autre pile d'énergie. La contribution minimum est de seulement 90 orbes précurseurs. Voilà, les villageois en quelque sorte, les habitants, nous demandent tout le temps 90 orbes, donc œufs en chocolat, parce que c'est drôle, pour une pile d'énergie, c'est tout le temps comme ça. Ah, vous avez l'intention de faire un don, bien, il est conséquent, hein, j'espère. Wouhou, oh oui, c'est un don conséquent, en effet. Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Bon, ok, on a un autre arbre, notre pile d'énergie. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Ça aura fait un gros épisode de 25 minutes à peu près. Voilà. À chaque fois qu'on aurait un villageois, il va tout le temps nous demander... Un villageois, un habitant. Il va tout le temps nous demander 90 orbes précurseurs pour avoir une pile d'énergie en essence d'une pile d'énergie. Donc on n'a pas le choix de la donner vraiment, les donner. Puis les gros oracles là-bas, c'est pas montré, mais je crois que c'est... Non, c'est pas Select. Je sais plus, attends. Attendez, je sais qu'il y a un bouton.
Non, 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 non. C'est pas Selek? Ah, oh, c'est ça. Triangle. Voilà. Les oracles qu'on voit. Les oracles. L'oracle, en fait, qu'on voit là-bas. Nous demande 120 pour 2 piles d'énergie. C'est comme ça à sac Villas, il me semble. Voilà. En espérant que cet épisode vous ait plu, on va se caler ici, ça va être beau. Non. Il est bouche bée, regardez. Bon, bref. Voilà. On va se laisser là. En espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas, évidemment, c'est le début d'une série, me faire part de vos commentaires si le son est correct. Liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Vu que c'est un jeu que je connais plutôt bien, des explications, on n'en aura pas énormément de besoin, mais vous pouvez en donner si vous voulez. Puis c'est ça. En attendant, moi je vous dis à dans quelques jours pour un prochain épisode de Jak and Daxter. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, c'est très important. Et bye tout le monde, allez. Bye bye.